Donc, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui a très bien marché, qui s'appelle Le bêtisier des médias sur l'AI en français. En fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de médias belges francophones que j'ai visualisés. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais mettre beaucoup plus de médias français. Donc, on va commencer par ChatGPT, la grande panique de l'IA. Donc voilà, la grande panique de l'intelligence artificielle sur LCI, qui est quand même une des principales chaînes d'information. La grande panique de l'IA. Voilà, c'est comme ça en fait que, disons, l'intelligentsia, tout ce qui est les élites cultivées de la nation, en fait, répandent la peur parmi le bon peuple. Alors que moi, contrairement à eux, qui sait un peu plus de quoi je parle, puisque je suis informaticien et que j'utilise ChatGPT, moi je trouve qu'en fait c'est quelque chose qui peut diminuer beaucoup le chômage des jeunes, en les rendant beaucoup plus performants, en leur permettant de faire des productions de bien meilleure qualité dans le monde du travail, pour les vieux, entre guillemets. Plus de 35 ans, on va dire, plus de 10 ans d'expérience, et ben en fait, plus vous allez avancer en âge, plus cet outil va vous permettre d'être encore plus performant, de donner la pleine mesure de vos connaissances, de votre expérience. Donc BFM TV, en plus la rubrique tech, déconnant d'un point de vue éthique et déontologique, ChatGPT peut-il devenir votre nouveau psy? Moi, je dirais, j'aurais juste à faire un commentaire. Comment ça se fait que dans un média qui soit aussi connu, dans une rubrique technique, je veux dire, on puisse même oser poser cette question? Je veux dire, il faut avoir utilisé un peu ChatGPT pour comprendre que ça n'a rien à voir du tout avec quoi que ce soit de psy, quoi. Je veux dire, le ChatGPT, c'est un arbre de possibilités, un arbre probabiliste, et ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit qui peut avoir lié à l'intelligence humaine. Je veux dire, si je devais donner un QI à ChatGPT, je dirais, bon, il est à peine plus élevé que celui d'un virus, quoi. Ok. Alors, ChatGPT, qui se cache derrière la création de l'outil dont tout le monde parle? Qui se cache? Il y a quelqu'un qui se cache derrière. C'est qui? C'est un complot? Ok, c'est chez qui ça? Ah bah c'est CNews on dirait. Ah oui. Ouais, c'est CNews. Ouais, ok, bon. Alors, MyTF1. MyTF1 is rich. Alors, TF1, l'intelligence artificielle, le robot qui pense et parle pour vous. Purée. Oh, ils sont graves quand même. Le robot qui pense et qui parle pour vous. C'est pas un robot, c'est un algorithme et une base de données. Il pense pas, c'est pas possible. Il circule juste dans un arbre de possibilités probabilistes. Il parle pas non plus parce que il émet des propositions sur lesquelles vous pouvez travailler, mais je veux dire, c'est pas du tout un dialogue. C'est quelque chose qui est assez figé, donc il y a aucun dialogue où on peut l'entendre pour un humain, quoi. Le monde, encore eux. On va gagner tellement de temps, les apprentis sorciers de ChatGPT. Oh, les apprentis sorciers. Il faudrait déjà que ChatGPT, ça soit un outil magique, mais bon. Voilà, bon. Et c'est le monde en plus, quoi, je veux dire. Sérieusement, quoi. France Info, la télévision officielle de la France. Cette chanson est merdique. Ok. Nick Cave vend debout contre ChatGPT, l'intelligence artificielle qui rédige tout, y compris des chansons. Mais oui, encore une fois, c'est pas de l'intelligence. On peut accoler artificiel derrière, mais voilà, c'est pas l'intelligence. Ça n'a rien de. Il n'y a aucune création, en fait.
tout ce qui sort ChatGPT, c'est une espèce de moyenne très complexe qui vient du scan d'Internet à un moment donné. Donc, oui, je sais pas, moi, par exemple, si on veut faire de la poésie, le vers qui va résonner avec, je sais pas, le printemps, la jeunesse, la rosée, enfin, tout ce genre de choses-là, il est incapable de l'inférer, de le deviner, s'il l'a pas lu quelque part avant. Donc évidemment, il peut pas réaliser ce type de travail. C'est possible. Une IA, elle peut faire des créations artistiques, mais il faut qu'elle soit programmée pour ça. ChatGPT, il n'est pas programmé pour ça. Et quand je dis des créations artistiques, ça veut dire un simili, parce qu'il fera jamais, on n'aura jamais, dans l'état de la technologie actuelle, peut-être avec les ordinateurs quantiques, pourquoi pas, le jour où ils sont suffisamment puissants, mais en attendant, je veux dire, avec la technologie, les algorithmes actuels, on ne peut pas avoir un comportement humain, il faut arrêter avec le terme d'intelligence. Alors, quotidien, ce chronique. Cœur de Yann Barthès dénonce les dérives et la triche des étudiants avec ChatGPT. Ben là encore, je veux dire, à partir du moment où on utilise ChatGPT et qu'on se rend compte de ses possibilités et surtout de ses limites, je veux dire, un étudiant qui triche avec ça, franchement, si son prof n'arrive pas à trouver qu'il a triché, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème dans l'énoncé de l'exercice qu'il a donné. Voilà. Peut-être faut se fatiguer un peu plus de ce côté-là. Alors, Europe 1. ChatGPT, la riposte s'organise face à l'intelligence artificielle capable de rédiger des textes aussi bien que les humains. Non, non, pas du tout. Je veux dire, encore une fois, d'abord, encore une fois, c'est pas d'intelligence. C'est un arbre qui est préprogrammé. Il est capable de rédiger des textes aussi bien que les êtres humains. Non, il est capable de recopier ce qu'on lui a déjà mis en mémoire, mais il est incapable de rédiger un nouveau texte et il est incapable de faire correspondre des concepts ensemble. Donc non, pas du tout. Il est absolument pas capable de rédiger des textes aussi bien qu'un être humain, absolument pas. C'est quoi ChatGPT, l'outil qui fait craindre une triche massive à l'école. BFM encore avec RMC. Bah oui, ouais. La crainte, la peur, la panique, voilà ce qui ressort. Et puis voilà, je voulais terminer par ça. Donc je voulais voir dans. Ah ouais, c'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Public Sénat. Qu'est-ce que. ChatGPT, public, il dit. Qu'est-ce qu'on en dit dans Public Sénat? Ouais, c'est un peu ce que je pensais. Ouais. En fait, voilà. Rien. Rien. Et c'est bien dommage parce que moi, je trouve que ça devrait être un sujet politique, c'est-à-dire que l'IA est un outil qui, à mon sens, présente énormément d'avantages pour nos civilisations occidentales. C'est-à-dire que dans les années 80, on a vu nos productions industrielles et électroniques partir vers le sud-est asiatique. Dans les années, je sais pas, 90-2000, on a vu toute notre production logicielle et de services en grande partie délocalisée vers l'Inde et éventuellement d'autres pays du sud-est asiatique. Il y a et bien évidemment une question de coût. Ça veut dire que les gens là-bas sont payés à peu près, je ne sais pas, 10 fois, enfin 5 à 20 fois moins cher selon les pays, selon les endroits. Donc évidemment. Il y a délocalisation. L'avantage avec des outils comme ChatGPT, c'est que une fois que vous les avez maîtrisés, parce que la maîtrise elle est quand même complexe, contrairement à ce que les gens en pensent. Je pense que
tous ces titres ahurissants, c'est juste dû au fait que les gens n'ont pas compris que l'utilisation de ChatGPT, elle est complexe. Elle a un langage naturel, on utilise le français, le langage naturel, mais ça reste un code de programmation, même si ça ressemble en langage naturel. Et c'est ce que les gens qui ne sont pas dans le domaine ne comprennent pas, malheureusement. Donc, ce qu'il va apporter, en fait, c'est qu'il va apporter une productivité accrue, d'une part, fois 10, on peut le dire. Je veux dire, quand on maîtrise bien l'outil, on peut vraiment avoir une probabilité très importante dans les domaines techniques. Ça veut dire informatique, électronique, architecture de bâtiment, chimiste, métallurgiste, tout ce qu'on veut. Tout ce type de travaux. Et de plus, vous avez la possibilité, grâce à ChatGPT, de produire des outils de test et de vérification en parallèle de votre production. Donc ça veut dire que vous êtes capable à la fois de rédiger un programme et de lui faire rédiger un autre programme, éventuellement dans un langage différent, qui va venir contrôler et vérifier le premier. Ça veut dire que non seulement on va pouvoir, en Occident, c'est-à-dire avec des salaires élevés, pouvoir produire à 10 fois plus élevé, mais en plus, on va pouvoir produire en faisant beaucoup moins de bugs et avec beaucoup moins de vulnérabilité. Je pense que y a vraiment un sujet politique du fait que ça peut permettre, eh bien, de réduire le chômage, de permettre d'autant plus l'emploi des seniors, parce que grâce justement à leur expérience et à leur expertise, acquis au cours de nombreuses années de travail, en fait, ils vont pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT, ils vont pouvoir l'utiliser comme un relais, mais un relais qui va démultiplier leurs actions. Donc, ils vont pouvoir être beaucoup plus productifs, en fait. Et à moindre coût, et en plus en faisant beaucoup moins d'erreurs. Donc, ça peut permettre, par exemple, de rétablir la balance commerciale française, qui actuellement est dans un état catastrophique. Bah, évidemment, tout est parti à l'étranger, donc bien sûr que c'est catastrophique. C'est pour ça que ça doit être un sujet politique. C'est pour ça que les politiques doivent s'en saisir, non pas pour tout interdire, parce qu'à ce moment-là, c'est d'autres pays qui vont en profiter, les USA, la Chine, etc. Et voilà, alors que si on avait de notre propre outil d'intelligence artificielle, et on peut le faire, enfin je veux dire, je suis désolé, mais dans les années 80, on développait ça en France, dans les années 80-90, hein, à la charnière, on développait ça en France. Il y a des gens, il y a des Français qui ont fait des thèses, qui ont travaillé là-dessus depuis longtemps. Et il n'y a pas de raison que cette technologie, finalement, qui vient de chez nous, ce soit d'autres qui en profitent contre nous. Donc je pense qu'il faut arrêter de faire peur aux gens. Il faut expliquer comment ça marche. Il faut donner les outils à tout le monde. Et il faut qu'on utilise ça, justement, pour améliorer notre économie, etc. Il faut arrêter de vouloir réglementer, censurer, etc. Il faut au contraire que ça soit diffusé un maximum pour qu'on puisse en profiter, pour qu'on puisse se réaccaparer toutes ces choses qui ont été délocalisées pour raison de coûts moindres. Voilà. Je vous remercie.